beau petit gré marine. Ah, lui, c'est vrai, par exemple, que... Il est aussi vieux que notre père paraît. Dans les années 40, fin des années 40. Mais il n'est pas collé. Il trouvait ça dans le fond d'un petit garage. Puis je me suis dit, bon, ben, je me souviens. Alors pourquoi pas pour faire passer quelques heures, essayer de remettre ça en marche. On va le démonter. On va regarder c'est quoi qu'il y a comme problème, s'il y a. On va regarder qu'est-ce que on pourrait faire pour le faire ronfler. Ensuite, compte tenu qu'il y a encore plusieurs pièces cachées. Pas oubliées, mais cachées, rangées. Tout à coup, on réussirait à faire ronronner ce petit moteur-là. Puis, en faire profiter certains amateurs de pièces antiques. Alors, plus tard. Bon, rebonjour. Oh, ça fait un bail. Ben oui. Vous voyez, en tout début, je vous ai parlé, ou je vous ai plutôt montré par image, un vieux moteur, un Gray Marine 4 cylindres, 45 forces. C'est quasiment de mon âge. Je vous dis, dans les années 40, on dirait 43, 45, je vais vérifier un peu plus tard par le numéro de série, là. Mais pour le moment, ça n'a pas grande importance, disons, j'ai presque toutes les pièces. Je trouvais ça dans mon vieux garage. Ça faisait au moins, minimum, comme dirait l'autre, bah, peut-être 20 ans que c'était sorti d'un voilier, ça. J'avais mis ça de côté, j'avais mis de l'huile sur les pistons, puis... graisser différentes pièces, mais je me suis dit, bon, on verra en cours de route. Quand on a fait le ménage dernièrement, eh bien, j'ai dit, on va essayer de remettre ça en marche. Oui, on va essayer de remettre ça en marche. Tout à coup, on pourrait faire quelque chose de bien avec ça. C'est pas le top, mais les démancher tranquillement, puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais dessus. J'ai mis de l'acide dedans parce qu'il était... Bon, il y avait de la rouille. Il était pas au Prestone, c'était à l'antigel, c'était un moteur à l'eau douce. Et à l'intérieur, bon, ben, ça, c'est moi qui les ai enlevés parce que... En lui mettant de l'acide pour le détarter, enlever les cochonneries, la rouille, etc. Les chaînes étaient en métal, les freeze-ploy, frost-ploy pour d'aucuns. Puis, bon, je les ai retrouvés quelques jours plus tard, assez maganés, disons. Bon, je devrais avoir ça aussi dans quelques endroits, dans quelques tiroirs, là. C'est sûr que je sais qu'il y a encore beaucoup de matériel pour ce genre de moteur-là, mais où c'est. En tout cas, on verra bien. Il n'était pas collé. Je vais vous dire. Je l'ai fait virer un peu, puis
Bon, il était pas trop réticent, loin de là même. Alors, on va continuer à le démonter. C'est un piston qui est démanché, là. On regarde le vilebrequin. Les portées de Red. Bon, peut-être on va voir les autres en tout cas. Puis on agira en cours de route. Voir si on pourrait pas, avec un peu de temps, puis quelques pièces, faire gronder ça. C'est quand même assez bien fait, ces moteurs-là. On regardait lorsqu'on montait les rods, les bearings. Les boulons, on connaissait les rods, c'était tout. On peut voir rivé. C'est-à-dire rivé, protégé par une goupille. Pas qu'il se déborde. Serré à environ bon, 40 livres pour les portées de rod de piston. Prenez beaucoup de précautions, contrairement à aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les boulons qui servent, au cas où, à serrer, garder les chapeaux en place. Bon, sont organisés pour lorsqu'ils se serrent. Léger tes peurs qui fait que. Pas grand chance. On voit pas ça souvent. Se débarrer là ou slacker pour en venir lousser. Pour en venir à se démanger de ça. Là. Faut dire que c'est pas comme lorsque dans le temps on avait la chope de reconditionnement de moteur. On était peut-être mieux équipé que ce que l'est aujourd'hui parce que beaucoup de mes outils sont disparus ou les abandonnés. Puis, je n'ai gardé un peu pour taponner. Mais. Il n'y en a plus autant qu'avant. Mais, c'est pas sorcier là, de monter des boulons puis serrer des boulons. Mais je dirais que l'idéal ou qui est le plus important, c'est lors, surtout du remontage. Si vous n'avez pas les coordonnées, les livres, les chocs manuels, les fiches signalétiques de ces moteurs-là, bon. C'est peut-être bon lors du démontage avec un clé manomètre là, qui enregistre les livres, les torques, si on veut. Bon, lorsqu'on démonte les boulons, on vérifie pour voir s'ils sont pas mal tout égales et quelle tension ils ont pour remettre. Tant que faire se peut, et même je dirais forcer encore un petit peu plus, des bonnes tensions. C'est important quand même que ce soit serré à des bonnes tensions. Pas des bonnes comme les tensions d'origine, espèce de compagnie. Pour vérifier, on va manger celle-là. Aussi. La première était aux alentours de 40, mais je sais que c'est pas mal sur 40. Effectivement, 40, 42, oui, on commence à. Ça commence à lâcher. Prenez une note. Vous mettez ça dans un aide-mémoire. Un livre. Où aujourd'hui, avec tous les instruments, palettes, padjettes, peu importe. Vous pouvez presque tout noter, puis. Vous allez tout avoir ça avec un simple
couches bretonnes lorsque vous allez en avoir besoin pour faire leur montage. Cognage en côté pour slacker nos chapeaux. Pour essuyer les huiles. Mais oui, c'est pas trop. Pas grand dommage. J'ai quand même l'impression que. Je me souviens pas trop. Mais. Je sais que ça allait très bien lorsqu'on a démonté le voilier. Peut-être qu'il avait déjà été révulté. Ça aussi, il faut pouvoir vérifier parce que. Normalement, si ça avait été remonté dans une chope, on lui mettait un tag où il y en avait des bearings oversize. Ce que je pourrais vérifier, peut-être même tout de suite, en arrière du bearing. Il y avait des notes qui mentionnaient en millième. Des changements. Alors on vérifiait sur effectivement, les moteurs-là, il a déjà été refait. C'est pas si. On va voir, mais ici. Arrière du bearing 0, 2, 0. Dans ce moteur-là, l'arbre, le crankshaft, si on veut, avait déjà été tourné à 20 millièmes. C'est pour ça qu'on avait remis des bearings, ce qu'on appelle oversize, à 20 millièmes. Pas si en s'approchant. Oui, je pense que là, on le voit à droite, là, dans le bas, vis-à-vis l'emplacement de la roue. Donc, ça nous fait dire qu'au moins au niveau de l'arbre, il y avait déjà eu des travaux, de fait. On va voir au fur et à mesure qu'on va. On va avancer là, c'est quoi qui avait été fait exactement. Pour vous servir de certains outils pour fesser sur une des pièces ou la déplacer dans un moteur. Trouvez-vous soit des outils avec manche en bois ou en caoutchouc. Afin de ne pas par mégarde arriver puis fessé sur une pièce. Puis risquer de l'endommager, de faire un spot ou de briser quoi. On va replacer ça temporairement. On va dire temporairement pour être capable. Tout à l'heure ben pas tout à l'heure, mais dans quelques temps. Reconditionner, remonter, réassembler, si on veut. Ce moteur-là. On va regarder dedans. On va mettre les numéros. Voyez-vous, c'est un moteur, ce qui avait été. Bon, signe qu'on l'avait déjà démonté pour pouvoir placer le piston en même place. Ici. On avait inscrit le numéro 1. 1, 2, 3 et 4 pour celui face à la guille de timage. Donc, c'est tous des indices qui font que le moteur avait été reconditionné déjà. Espérons qu'il avait bien été. On va voir
fur et à mesure. Je ne sais pas si ça va nous donner comme... On va monter les deux autres, pour le moment. Je vais continuer à démonter et je vais vous revenir un autre tantôt pour une suite. Bye.